Je vais faire une petite pause. Mais c'est quoi ça? Coucou les filles, c'est moi Charlène. Aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler des révisions, du bac et du brevet. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont passer le bac et le brevet. Et souvent, c'est chiant de réviser. Donc, on s'y met à la dernière minute. Ce qui n'est pas bien, hein. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Donc là, je vais vous passer toutes mes astuces pour que vous réussissiez vos épreuves. Et que vous puissiez réviser une semaine avant. Parce que moi, j'ai révisé une semaine avant le bac. Et j'avais pas révisé 2 mois avant ni 3 mois avant. J'ai révisé vraiment une semaine avant le bac. Donc, si moi, j'ai réussi à avoir mon bac, vous aussi, vous pouvez l'avoir. Donc, mon premier conseil, c'est faire des fiches de révision. Ça semble super stupide et super con, mais c'est vraiment la base. Parce que si tu fais pas des fiches de révision, tu vas te retrouver avec tout tes chapitres à réviser. Et surtout quand tu es en L, les gros chapitres d'histoire là, ça fait mal. Donc non, vraiment faire des fiches. Alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté gros manuel chez mon libraire. Les marques d'anal font aussi des fiches. Et donc, il y a toutes les fiches pour chaque matière. Donc, imaginons, moi, j'ai fait un bac L. Hein, donc, je vais prendre mon exemple. Donc, pour mon livre à moi, il y avait des fiches synthèse pour le cours d'histoire, géographie, anglais, espagnol. Enfin, toutes les matières réunies. C'est synthétisé. Et sachez que les fiches de manuel sont vraiment très, très précises. Et souvent, vous trouvez plus d'informations dedans que dans votre cours. Parce que il faut savoir que les profs d'histoire, ils aiment bien donner les petits détails. Et souvent, notre cours, il est rempli de petits détails dans les cours d'histoire. Enfin, moi, je pense que je trouvais que le mien était rempli de petits détails inutiles. Et parfois, on a juste besoin de l'info principale. Et si tu révises tout, tu n'auras pas l'info principale et tu auras tout ton cours à réviser, les petits détails que ton prof a pointé. Donc c'est mieux d'avoir des fiches de révision. Et en plus, ça te permet d'être plus synthétique et plus efficace dans tes révisions. Tu perds moins de temps. Mon deuxième conseil, c'est de faire le vide autour de toi. Vraiment, pendant cette semaine-là, il faut que tu sois concentré, mais à fond en fait. Oublie ton téléphone, oublie tes copines, oublie la télévision. Vraiment, faut être focus pendant cette semaine. Alors moi, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que déjà, je me réveillais tous les jours à 7h du matin. Je faisais du 7h-22h et je me couchais vraiment à 22h. Parce que quand tu te fais une journée 7h-22h, le lendemain, tu as besoin d'être efficace. Je partais même plus à l'école pendant la semaine-là. Parce que tu pouvais encore aller à l'école la semaine avant le bac, mais moi, j'y allais pas parce que je voulais réviser. Hein. Déjà, qu'ils ne faisaient pas réviser, donc voilà. De 7h à 9h. Je révisais par exemple une fiche de révision d'histoire. Après, de 7h à 9h, après, je faisais une pause genre de 20 minutes. De 20 minutes seulement. Et déjà, faut se dire que de 7h à 9h, quand tu révises, ta tête, elle commence à... C'est tellement intense, genre, que t'as mal à la tête. Mais faut pas penser à ça, tu vois. Faut rester focus sur ton objectif, c'est d'avoir ton bac. Après, je faisais une pause de 20 minutes et après des 20 minutes, bah, j'allais sur mon téléphone, je regardais un peu la télé et tout, j'allais boire de l'eau. Et après les 20 minutes, je repartais pour 10h à midi. Là, je faisais un gros break de 45 minutes, voire 1h. Je mangeais, je parlais à ma mère et tout. Là, tu fais le pit. Après l'après-midi, ça repartait jusqu'à 22h. Donc, par exemple, de 7h à 9h, je révisais l'histoire. 9h20 à 11h20. Ouais, je révisais la géo et après l'après-midi, on va se dire pendant 2 heures, je révisais la philo, tu vois. Je faisais ça en tout cas. Mon troisième conseil, c'est faire des petits pense-bêtes. Pourquoi? Pour te mettre des objectifs et pour savoir ce que tu dois faire dans la journée. Donc moi, par exemple, je prenais un pense-bête jaune. Alors là, c'était mon calendrier, c'est mon planning de la journée. Qu'est-ce que je dois réviser pendant cette journée? Comment je vais me diviser?
mon pense-bête vert, c'était mes objectifs. J'écrivais toujours que j'avais un objectif, fallait toujours que j'essaye de me coucher le plus tôt possible, mais genre, et d'avoir tout révisé, mais de pas avoir bâclé, tu vois ce que je veux dire? Donc d'être le plus efficace possible. Et mon pense-bête rose, j'avais toujours écrit objectif bac, objectif bac, objectif bac, et je me mettais J-. Genre, il y avait toujours ça écrit dessus. Genre, je le changeais tous les jours pour vraiment voir comment j'étais active. Et j'avais un autre pense-bête orange, c'était pour voir le nombre de chapitres qui me restait à réviser. Les pense-bêtes, c'était vraiment utile parce que du coup, j'étais bien organisée. Ça me permettait de voir ce que je devais réviser. Enfin, tu vois quoi. Quatrième conseil, c'est être vraiment sain d'esprit. Ne sois pas négative. Ne pas être du tout négative. Dis-toi que tu vas avoir ton bac de toutes les manières. Parce que de toute façon, l'effort est toujours récompensé. Donc, si tu n'as pas révisé, c'est sûr que tu n'auras pas ton bac. Mais si tu as révisé, franchement, ne sois pas découragé à te dire qu'il te reste qu'une semaine et que tu n'as rien fait en fait. Dis-toi que les une semaine là que tu as, il te reste une semaine pour tout niquer, pour tout casser. Donc là, tu vas vraiment tout donner en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout donné pendant cette semaine là. Et voilà, donc j'ai eu mon bac, hein, donc voilà. Donc si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Alors, mon cinquième conseil, c'est réviser les chapitres essentiels qui sont sûrs de tomber. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, pendant mes révisions, j'ai perdu beaucoup de temps à réviser des chapitres inutiles en histoire ou encore en philo, alors que j'en avais pas besoin, tu vois. Donc par exemple, en histoire, j'ai passé les une semaine à réviser les chapitres sur les mémoires. Mais au bac, c'était même pas ça en fait. Ce qui est tombé au bac, c'était les mémoires et la mondialisation. Donc sachez qu'il faut réviser vraiment les chapitres stratégiques. Si en cours, t'as tout le temps, enfin, vos gros chapitres, c'est genre la mondialisation en histoire, tu vois. Si c'est ça vos gros chapitres, réviser ça en premier. Faut pas être bête comme moi j'ai été, tu vois. Faut cibler vraiment ces révisions. Moi, en histoire géo, la mondialisation, c'était vraiment, vraiment les gros chapitres. Et d'ailleurs, on est tombé sur ça. C'était majeur géo et mineur histoire. Et en philo, j'avais pas révisé la philo. Pas beaucoup, en fait. Pendant les une semaine, j'ai fait que de réviser histoire et géo. Bah ouais. Parce qu'en fait, c'était que ça, les deux matières où j'avais... Enfin, pas des lacunes, mais où il y en avait vraiment trop. Alors, mon sixième point, c'est... te dire, quand tu t'es fait ton planning, faut vraiment le respecter, hein. Les dernières matières, tu les verras plus tard. Quand tu t'es dit que de 9h à 11h, tu dois réviser une matière, ne flanche pas, révise vraiment ces matières. Et puis si pendant les 2h, t'as pas fini de réviser cette matière, vraiment, faut passer à autre chose. Parce que tu peux pas perdre du temps sur une matière quand t'as une semaine, tu vois. Les fiches, déjà, elles sont très synthétisées, donc ne perds pas plus de 2h à apprendre une même fiche, tu vois. Parce que sinon, t'auras gâché ta journée et la journée n'aura pas été assez productive. Septième conseil, c'est... Soyez stratégique vraiment dans comment vous révisez et ne perds pas de temps dans les matières ténues. Franchement, il ne nous reste qu'une semaine. Ne perds pas de temps dans les matières où t'es nul. Je vous dis ça vraiment, mais c'est parce que je vous aime. Moi, j'étais bancale en philo. Enfin, ça dépendait. Il y avait des moments où j'avais 14, il y avait des moments où j'avais 7, il y avait des moments où j'avais 13 dans certains commentaires et dans certaines dissertations. Il y avait des moments où j'avais que 11. Donc, j'ai pas perdu trop de temps. Je me suis dit, bon, on verra au pif et le sujet qui tombera, je l'aurai, je vais y assumer. Huitième conseil, c'est... télécharger des audios. Et donc le matin, je me brossais les dents, je mettais l'audio, je l'écoutais deux ou trois fois, et après je l'arrêtais et je partais faire mes révisions de 7h à 22h. Donc là, je révisais et avant de dormir, je mettais les audios encore et j'écoutais deux ou trois fois. Il faut savoir que le cerveau humain, il consomme mieux quand il a vu le matin et le soir la même chose. Et la nuit, il va bien mémoriser ça, il va le ranger dans les cases et après quand tu vas le ressortir, franchement, ça sera super easy. Alors mon conseil, gère bien ton temps. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi je sais que ma plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir géré bien mon temps, surtout en histoire. En fait ça dépendait des matières, mais par exemple il y avait une matière qui s'appelle littérature, je l'avais tellement bien gérée, enfin j'avais même fini avant l'épreuve, il nous restait 2h alors que d'habitude je finissais toujours et crac. Quand on faisait nos bacs blancs, je finissais toujours une craque et les jours de l'épreuve, j'ai fini avant. Et
j'essayais de combler, j'avais plus rien à dire, mais j'essayais quand même d'écrire, tu vois. Donc voilà, c'est ma petite technique. Quand tu penses que tu as fini, tu n'as jamais vraiment fini, hein, parce que faut relire. Enfin, moi je relis pas, mais c'est très important pour les fautes. Pour les fautes, mais après, je pense pas qu'ils prennent vraiment en compte les fautes. Donc voilà. Alors, mon deuxième conseil, c'est le jour de l'épreuve, ne stresse pas, gère bien ton temps. Parce que moi, franchement, je vous donne des conseils que moi, j'ai pas appliqués. Mais si tu les appliques, ça va marcher. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que si tu stresses déjà, tu vas être. Je sais pas, t'auras un mauvais mental pour commencer déjà. Donc. Tu seras trop dissipé, tu n'arriveras pas à te concentrer, tu voudras être seulement dans la performance. Oui, il faut être dans la performance, mais une bonne performance, une performance positive. Donc, faut être dans un bon état d'esprit. Alors, si vous êtes religieux, moi, j'ai prié et franchement, je suis très contente parce que ça m'a vraiment apaisée. Et je pense que je dois une grande partie de ma réussite au bac à Dieu, quoi, parce que j'ai réussi en une semaine et les chapitres sur lesquels je suis tombée, c'était même pas les chapitres que j'avais révisé et que j'ai parfaitement maîtrisé, tu vois. Donc vraiment, si vous êtes religieux ou même si vous croyez en quelque chose, faites venir cette croyance, tous vos objets, vos petits gris-gris, moi j'appelle ça, mais les bracelets porte-bonheur, tout ça, franchement, mettez-les au centre, touchez-les si vous y croyez vraiment, parce que moi vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Voilà, moi je vous ai donné mes 10 conseils pour réussir vos révisions du bac et du brevet. Je vais vous mettre en barre d'infos les audios que j'ai écoutés moi pour réviser le matin et le soir. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez plein d'autres choses à me demander. Enfin, vraiment, j'espère que vous allez réussir vos épreuves, que ce soit pour le bac blanc. Moi, le bac blanc, je l'ai révisé à la dernière minute aussi. Mais mes conseils sont très applicables pour vos bac blancs aussi. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous adore et je ne vous souhaite que la réussite. Donc, plein de gros bisous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous, moi.